Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing partenariat avec la compagnie DIY Digital Art. Donc tout d'abord, je tiens à remercier la compagnie pour la confiance. Le colis, en fait ils ont changé je crois au niveau des transporteurs. C'est Colis Privé qui m'a livré, mais ils l'ont pas mis dans la boîte aux lettres, j'ai dû le chercher en point relais. Donc je préférais Colissimo quand même, mais c'est pas grave. Donc là je vais vous présenter 5 produits, donc 2 toiles et 3 accessoires. Donc 1, 2, un accessoire, un autre accessoire et un dernier accessoire. Donc on va commencer avec cet accessoire là. Donc ce sont des aiguilles et ça c'était au prix de, alors attendez que je vérifie, non pas ça. Est-ce que c'est celui-là? Non plus. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Alors, ça doit être celui-là. Oui. Alors, au prix de 0,75$. Donc, alors, attendez, je vais vous mettre la lumière. Une petite boîte comme ceci. On dévisse et dedans on a ah, c'est des grosses aiguilles. Ah mince, en fait on a 3 tailles différentes et en fait c'est pas vraiment ça que je pensais. Ça c'est pour la laine. Donc il y a 3 tailles différentes et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 aiguilles. Ouais, 9 aiguilles. Donc dans un gros pochon comme ça, donc moi je trouverais déjà l'utilité à ça. Je pensais qu'elles étaient un peu plus petites les aiguilles. Bon, c'est pas si grave. Donc 0,75 centimes. Donc voilà pour cet article là. Ensuite, pour ça. Ça c'est ça je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Est-ce que c'est ça? Non plus. Alors c'est celui-là. Alors, dans ce petit pochon, vous avez des aiguilles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aiguilles comme ça, avec des gros chats. Et elles ne piquent pas. C'est des bourrons. Donc, 10 aiguilles. Pour $1. Donc voilà pour cet autre article. Ensuite on va passer à la petite boîte. Et dans cette petite boîte nous avons un aimant. Voilà. Alors quand j'ai mon support, mon grand support, je vais pouvoir le mettre dessus. Ouais. Donc c'est de l'acrylique qui est protégé encore par une petite protection film dessus. Donc celui-là était au prix de... non, c'est pas ça. Il était au prix de est-ce que je vais le trouver, 2,50 $. Donc là vous avez l'aimant qui est quand même assez fort. Et ouais, c'était pas celui-là que je voulais, c'était une petite fille sous un arbre. Mais vu que vous savez, c'est classé, vous en avez plusieurs dans le même lot. Donc je pense qu'ils doivent envoyer aléatoirement. Et moi j'ai eu celui-ci. Donc ouais, en fait vous prenez votre aiguille. Et je vais vous montrer. Vous prenez votre aiguille et vous la mettez. Voilà. Et comme ça vous ne la perdez pas. Voilà. Donc pour 2,50 $. Après vous pouvez l'utiliser pour le diamant painting aussi. Hein. Sur une toile, vous pouvez très bien l'utiliser. Hein. Donc voilà pour ça. Donc là on va passer aux deux toiles point de croix que j'ai choisies. Pour compléter un petit peu ma collection. Donc ce sont des Gorgeous. Et la première, c'est laquelle? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est celle-là. Donc j'en mets une de côté, mais je vais vous montrer. Donc c'est celle-ci, au prix de 5,75 $. Une 30 par 40, 11 CT, 3 brins. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. De toute façon, je vous mettrai les liens de tous les articles en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, on va déjà regarder. Donc, on a un petit kit avec 5 aiguilles et un protège-doigt, une bague. Voilà pour ça. On va regarder les fils. Donc déjà, on a des échevettes. On a 6 échevettes en rab. Donc c'est le 932. Donc là, on va se manger du gris bleu. Hein, tout simplement, donc je vous montre l'image. Voilà. Donc c'est celle-ci. Ensuite, les autres couleurs. Donc là, on est vraiment sur des couleurs pastel, des couleurs un petit peu légères. Et j'aime beaucoup. Donc on a des violets, des roses. Ce violet-là, il est beau. C'est un violet lilas, il est trop beau. On a des gris, du noir. On a pas mal de gris, on a pas mal de violet, pas mal de rose et pas mal de bleu. Voilà un peu pour les couleurs. On a un petit peu de beige. Donc voilà pour les couleurs. Ensuite, au niveau de la toile. Au niveau de la toile. Alors, on a la toile ici et on a le diagramme, donc le patron. Donc, on va regarder ça. Donc, c'est une 11 CT, 3 brins, 104 sur 148. Le diagramme est gros et clair. On a 30 couleurs quand même. Et j'ai déjà eu des symboles similaires à ça. Donc on a pas mal de symboles quand même. Donc elle va être magnifique. Là on a la feuille explicative, comme d'habitude. Et donc pour la toile, la voici, la voilà. Donc là, les symboles sont pas très visibles. Hein. Donc moi je pense que je vais me référer à la feuille là. Et sur la toile, écoutez, ça a l'air bien. Un peu pâle hein, les symboles, mais écoutez, de toute façon je vais faire, je pense, la poupée d'abord et ensuite le fond. Je sais pas encore. Pour les Gorgeous, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc on verra bien. Donc voilà pour la première toile. Elle est très jolie en tout cas. Donc, je vais quand même prendre le temps de la ranger. Et ensuite pour la deuxième, attendez une petite seconde le temps que je trouve. Voilà, donc c'est celle-ci à 5,75 $, toujours pareil, la Gorgeous qui nourrit ses petits lapins. Alors on va regarder tout ça ensemble. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le toolkit. Donc là, ils nous ont juste rajouté un enfile-fil, 5 aiguilles et la petite bague de protection. On a les fils. Donc là, ça va être des couleurs qui vont être un petit peu plus ternes. Vraiment beaucoup plus terne que donc c'est des couleurs automnales hein, on va dire. Donc on a 32 couleurs et voilà un petit peu pour les couleurs. Là on a un beau vert anis, voilà des couleurs très automnales hein. Voilà voilà pour les couleurs. Donc je vais ranger tout de suite hein, pour pas mélanger les produits ensemble. Comme ça on peut le mettre dedans. Donc je vais vous mettre tout le lien en barre d'infos, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là on a la feuille de suivi. Donc on s'était 30-40, 104/148 points. Donc là on a la photo, et là on a la feuille explicative, et là on a le diagramme avec 32 couleurs. Et ouais, c'est plus ou moins les mêmes symboles. Hein. Donc voilà pour ça. Et là, on a la toile. Donc les deux toiles sont surjetées. Donc elles sont déjà cousues tout autour. Au niveau des symboles, ça me paraît mieux que celle de tout à l'heure. Bien sûr la poupée va être confetti, mais autrement je trouve que ça va au niveau des symboles, ça va. Qu'est-ce qu'on a là? 32 couleurs, on a des points qui se ressemblent. Non, ça va. Donc là vous pouvez très bien faire tout le jaune, tout le noir, tout le bleu, voilà. Je sais pas comment je vais les attaquer ces Gorgeous, si je continue mes 9 cases sur 9 cases, je sais pas. Je vais peut-être faire 9 cases et 9 cases, donc 18 cases sur 18 cases peut-être, je sais pas encore. Mais ouais, elles sont très très belles ces Gorgeous. Donc voilà pour ce petit unboxing les amis. contre, je suis plutôt contente. J'ai deux nouvelles Gorgeous dans ma collection, ainsi que les aiguilles et l'aimant. Donc je suis plutôt contente. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie encore énormément la compagnie de cette confiance. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!